Et salut les gens, bienvenue sur frappestesjeux.fr ou sur mon blog itisand3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion sur le jeu Kingdom Hearts HD 1.5 plus 2.5 Remix. Donc Kingdom Hearts Final Mix, entre, pour être plus précis. Coucou Priscilla, qui dit bonjour Iti et bonjour Celt. Celt, effectivement, Priscilla. Tu es toujours là, je t'ai empêché de parler, c'est terrible ça. Ouais, tu m'empêches tout le temps de parler. C'est vrai. Bon, vous savez quoi, ce sera la première vidéo où je ne parlerai pas. Vraiment ? Hein ? Non, j'y crois pas une seule seconde. Oui, j'imagine, dis donc, courage à toi encore une fois. Donc, nous étions dans Monstro. Alors, le live va pas durer très très longtemps, parce que Celt doit être parti à 16h. Enfin, 16h, faut qu'on soit prêt à partir à 16h. Ouais. Donc, du coup... J'ai ma valise encore à boucler. Voilà, donc on va faire sûrement faire un petit live pas très très long. Mais live quand même. Ça nous fera toujours deux vidéos de plus. Alors, on est arrivé à ce point de sauvegarde. Je ne sais plus de quel côté on doit partir. Ça, c'est Ventre 5, donc ça m'étonnerait. Voilà. J'ai rien oublié avant de commencer, on devrait être bon, allez hop, intestin. Bon, on verra bien, hein. Au pire tu rechargeras. Au pire je mourrai dans d'atroces souffrances, et voilà. Ouais. Ah. Pinocchio. You up for this? No problem, let's do it. Ok, bon app, Didoun. Bon app. Oh. Fais attention à ses bras. Hein. Ouais, tu m'as dit de faire attention et comme par hasard, je me les prends alors que j'ai réussi à bloquer tous les précédents. Mais... J'arrive pas à voir le haut. Tu peux avoir son torse et sa tête. Tous les deux sensibles. Oh, oh mais la caméra, mais quelle horreur. Ah. Bon, ça va, elle fait pas trop mal pour l'instant. Bah, c'est la première fois qu'on la rencontre. Encore une autre fois. Mais caméra, sérieusement, mais c'est tellement de la mouise, ça commence déjà à m'agacer quoi. Courage. C'était quoi ce cri? Ah, c'est Pinocchio. C'est Pinocchio. Ça fait pas grand chose. Non mais laissez-moi la taper cette plante, mon Oshtroumpf. C'est pas une plante. C'est un parasite. Parasite au cage. Intestinal. Ouais. Oh punaise, mais je fais mes nawak quoi. Non, on a un Donald KO. Ah, mais non! Tu vas y arriver! Allez! Ah, il m'a sonné, mince! Ouais, Donald, je t'ai sonné. Tu peux patienter là, s'il te plaît, bonhomme? Mais Donald aurait bien besoin de soins, lui aussi. Non, mais c'est bon, il a été soigné, Donald. Alors, ouais. Donne un petit coup, mon petit gars, et tu vas morfler. Tout va bien, alors. Ah, bah enfin! Léger. Et tout le monde a gagné des points puisque tout le monde était en vie. Coucou Azuno! Salut Azuno! Dingo a appris trance. On va pouvoir le faire danser jusqu'au bout de la nuit. Hop là, on y est. Maintenant. On va descendre, j'imagine, dans le trou. Chute libre! Trop tard. S'il fallait sauvegarder avant, c'est trop tard. Alors surtout, il faut que tu ouvres le coffre qui est à côté de Gepetto. D'accord. Give me back my son. Sorry, old man. I have some unfinished business with this puppet. He's no puppet. Pinocchio is my little boy. He is unusual. Not many puppets have hearts. I'm not sure, but maybe he can help someone who's lost theirs. Wait a minute. Are you talking about Kairi? What do you care about her? Ok,
Qu'est-ce qu'il est désagréable, ce Riku. Pas grave. Le coffre, juste là. Je remets la cam. Je l'ai. Super saut. Oh. Alors attends. Il faut équiper Super saut. J'ai deux points. Oh ben non, il n'y est pas. Ah non, alors il l'a directement appris. Mais alors, c'est où? Non, c'est une compétence de groupe. On aurait pu la chercher longtemps, dis donc, hein. Excuse-moi. Trans, augmente la jauge des MP des invocations permettant de les faire durer plus longtemps. C'est vrai qu'on a lancé aucune invocation jusqu'à présent. Augmente les chances de gagner des objets rares. Ça peut être intéressant. J'active. Et Donald, il a 4 points à dépenser. Vaillance. Permet de regagner des MP proportionnellement aux dégâts reçus. Ça peut être intéressant. Et permet d'attirer les sphères de HP et de MP munis objets à proximité. Ça me plaît, elle a activé. Il récupérera plus comme ça. Et moi j'ai quoi? J'ai frappe éclair, j'ai combo, j'ai parade. Permet de repousser une attaque en appuyant sur la touche carré. Ouais, je sais très bien que j'arriverai pas à le faire. Il y a des chances, ouais. J'appuie tout le temps sur croix. Streamer H24. Non, c'est juste parce qu'il y a Celt avec moi et que du coup on en profite pour essayer d'utiliser le temps du mieux qu'on le peut. Ouais, parce que je pars bientôt. Voilà, et du coup, peut-être que je continuerai après à faire des lives dans les après-midi ou autre, on verra ça. Mais pour l'instant, c'est pas gagné tout de suite. Frappe ouragan, c'est quoi? Au coup d'un combo aérien, ASN a un coup final de combo extrêmement puissant à l'ennemi situé en dessous. Allez. Ça me plaît bien, ça. On va passer par la case sauvegarde, parce qu'on le vaut bien. Salut Tevias! L'invocation, comment vas-tu? L'invocation, c'est utile avec la fée clochette. Pour l'instant, on l'a pas bon. Maintenant, il faut aller chercher le reste. On a vu qu'il y avait des trucs un peu partout. Mm. Donc déjà, pour commencer, on va aller là-bas. Comment on fait les super sauts? Bah déjà, faudrait qu'ils sautent pour pouvoir faire un super saut, n'est-ce pas? Ah, déjà, mais ils sautent vachement plus haut, en fait. Ils sautent beaucoup plus haut. C'est ça, le super saut. Block scan. Pavillon, potion. Potion. Bon, il me semble que je pouvais aller ailleurs avec ça. De pouvoir monter, non? Là, ouais. Ça fait bizarre, les os, ça me perturbe. Les sauts, ça me perturbe. Et là, c'est une nouvelle orbe. Bah écoute, un peu fatigué, mais ça va orbe de l'eau. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir faire appel à Polochon. Non. C'était pas ça, mince. Non, c'est pas Polochon. C'est qui alors? La petite sirène? Non. Il me semble que c'est... Bernadette? Non. Bernadette Chirac? Par exemple, attends. Ah, il y a une porte au-dessus là-bas. Il y a une marque verte là-bas. Il y a une marque verte, ouais. Je sais pas où ça mène ce truc. Ouais, c'est la suite de l'aventure. Merci beaucoup pour ton abonnement, Devos 59190. Ton abonnement Mixer. Donc je vois que tu es sur l'autre plateforme. Donc coucou à toi, en espérant que ça va bien. Bienvenue parmi nous. Bienvenue. J'aurais dû tenter autre monstre à ce saut-là. Parce que là, je sens que ça va être galère pour réussir à monter. C'est Dumbo, l'invocation. De l'eau? Dumbo? Bah ouais, Dumbo. Ils ont fumé quoi? Parce que Dumbo et l'eau, jusqu'à preuve du contraire, je suis pas sûr que c'est un rapport entre les deux. Bah, dans le film, ils projettent de l'eau avec sa fille, quoi. D'accord. Moi, je croyais que c'était un environnement, l'eau. Non. Nouveau coffre. Ah mince, je l'ai raté, il est pas tombé l'eau, je le pensais. Je me suis dit, il va se casser la figure. Et les sauts sont toujours aussi dégueulasses, mais j'ai déjà dit plein de fois. Mais tu sautes quand même plus haut. Ouais, mais ça m'arrange bien de sauter plus haut si le personnage ne fait pas ce qu'on lui demande. Et il n'arrive jamais à sauter. Pourquoi? C'est à mon avis, c'est pas par là qu'il faut que je saute, mais... Ouais, c'est pas par là, je pense. Tout à l'heure, c'est passé en passant par ici, donc je passerai par là. Bout de mitril. Obstination plus 10. Non, mais... Ça aussi, j'en ai marre du personnage qui veut pas sauter quand on lui demande.
Allez, viens là. T'as récupéré des dalmatiens ? Bah, il reste un coffre là-haut. Ah, non, c'est pas celui-là. Yes, j'ai réussi. GG. Heureux. Ah bah tiens, 73, 74, 75 sont entrés à la maison. Il y en a d'autres en face. Ah, presque. J'ai donné un coup de clé en trop. Par contre, il est un peu haut celui-ci. Je pourrais pas l'atteindre comme ça celui-là. Il y a forcément notre passage quelque part. Là-bas, il y a une plateforme. Mais. Dingo, t'étais bien atterri. Dingo avait bien atterri ? Ouais. Je suis il avait atterri sur la plateforme. Bon, bah, il a essayé de pourrir notre attaque alors. C'est un méchant. Bien sûr, les plateformes sont complètement de l'autre côté. Comment je vais pouvoir faire pour atteindre là-bas ? Non. Il y a un truc en face, donc c'est ici que je vais essayer de passer. On va voir. Ok, Didoun. Ça leur remet au boulot, j'imagine. Enfin, j'ai évité de citer son vrai nom, mais... Ouais. GG. Enfin, GG, c'est vite dit. Hein. Un pavillon. On a ramassé Dalmatien, je crois pas qu'il y a d'autres coffres. Hein. Non, il n'y en a pas d'autres, apparemment. Si on va en face, là-bas, ça apporte quelque chose ou pas? La porte en haut. Là-haut? Attends, je cherche où ça va. Ça va à la suite de l'aventure. Ouais, c'est vrai qu'on est pas, on n'a pas encore quitté le nom. Pas la zone. Bah non. Il y a une marque bleue, normalement, au sol. Il y a aussi des gens qui nous en veulent. On va les tuer. Mais c'est gentil. Ma collègue, elle me disait qu'elle avait peur des... Ah bon? Ouais, les petits noirs. Va falloir qu'elle m'explique pourquoi. Ça ressemblait à des fourmis, ce nom-là. Ah mais elle a raison, ça ressemble à des fourmis. Ça lui faisait peur. Bon, il est où, là, le schtroumpf? Ils vont se calmer, oui. C'est moi qui dois taper, là. Pas l'inverse. Il est où? Je t'ai vu. J'aimerais bien pouvoir t'attaquer. Ah mais il a disparu, c'est pour ça. Ouais, il était en train de disparaître. Encore un lâche. C'est ça. Qui abandonne la bataille et qui m'empêche de récupérer ce qui m'intéresse. Ah, toi, viens là. C'est bon, on est tranquille ou pas? S'il vous plaît. Ouais. C'est bon. Oh bah non, t'as sauté, alors ça m'a fait apparaître d'autres. C'est bon. Ah, il y a Dingo et Donald qui récupèrent tous, qui sont le principe de l'attraction, eux. Ouais, mais pas toi. Récupère avant que ça disparaisse. Bah ben, écoute, encore une fois, courage. Didoun. Encore des amis. Je vois pourquoi j'en veux t'as récupéré les trucs de soins, je suis à fond en vie pour l'instant. C'est la maladie du récupération tout. Ah, c'est clair. Non. Non, tombe pas. Vivement qu'on est fini. Ah ouais, non mais carrément. En fait, c'est pour ça on s'est posé la question de savoir si on allait faire live ou pas. Et on s'est dit, bon bah comme ça, la prochaine fois qu'on se verra et qu'on entamera un live, on sera pas en train de faire monstro. Ouais, ça sera soit... Halloween. Soit Atlantica. Non mais Atlantica j'ai jamais vu donc quelque part ça me dérange moins. Mais sérieusement ils sont désagréables. Après Atlantica, personnellement quand je l'ai fait la toute première fois, ça m'a pas tant gêné que ça. Donc ça veut dire que c'est les fois suivantes que c'est désagréable, notez-le. Heureusement je n'aurai à le faire qu'une seule fois. Je crois qu'on a été aspiré, j'espère qu'il n'y avait pas de coffre en haut parce que sinon non, on peut pas le récupérer. Non, il n'y en avait pas. Parfait. Arrive dans l'estomac. Hey, let Pinocchio go, Riku. Non.
A puppet that's lost its heart to the Heartless. Maybe it holds the key to helping Kairi. How about it, Sora? Let's join forces to save her. We can do it together. What? You'd rather fight me? Over a puppet that has no heart? Heart or no heart, at least he still has a conscience. Conscience? You might not hear it, but right now it's loud and clear. And it's telling me you're on the wrong side! Then you leave me no choice. Bastard! Pinocchio! Pinocchio! Jiminy, I'm not gonna make it. Oh! I guess I'm okay! Il voulait juste de l'attention. Attention war. Mais il a menti. Et là, il se barre. Il se téléporte comme ça, de monde en monde. C'est de la triche. Ouais, il triche. Et Pinocchio qui se barre en courant. Bah, il bien pourrait raison. Au moins nous aider, non? Alors fais attention, elle fait beaucoup plus mal maintenant. Ah oui, je vois ça. Et en plus, il a des attaques à distance. Donc, fais attention. Essaye de toujours rester en combat rapproché, parce qu'apparemment c'est plus simple. Que à distance. Ouais. Ah oui, la cible, ça fait mal. Je sens que je vais souffrir. Je le sens aussi. Oh. Vas-y, tu peux taper dans le ventre, ça fait plus de dégâts. Ouais, mais j'aimerais bien, mais... Punaise, en plus on voit rien avec leur système de caméra dégueulasse. Tu te débrouilles pas trop mal, hein. Mais c'est parce que je suis doué, madame. On n'a pas fait de level up. C'est malade. Ouais, mais il m'a soigné. J'allais dire Dingo, mais en fait, non, pas du tout, Mickey. Donald. Ouais, aussi. Mickey, il est pas là. Je te rappelle. Je reviens à la plante. C'est pas une plante, c'est un parasite. Oh. Ah, il faudrait que tu soignes tes collègues parce qu'ils ont plus de vie. Je sais même pas si j'ai assez de... M'agace avec ce sort en plus qui me propulse dans le... Ouh, faut que je m'éloigne, faut que je m'éloigne, faut que je m'éloigne, faut que je m'éloigne. Ah, Donald est encore KO. Moi, ça va pas tarder non plus. Vivement que j'ai du soin en plus. Ah, mais il m'agace avec ce truc. Faudrait que j'apprenne le pattern du... Nam m'avait déjà soigné. Eh, mais sérieux? Mais... Et tu tapes ce refrain qui te plaît. Deuxième fois que j'arrive. Ouais, ça pouvait pas marcher continuellement. Ça pouvait pas marcher tout le temps. Non, 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 non. Ah bah comme d'hab, ça a pas voulu soigner à temps. Qu'est-ce que c'est agaçant. Bon, il reste plus grand chose comme vie. Et voilà. Et voilà, c'est qui le patron? Ah, coucou Azatral. Salut, te suivre aussi régulièrement. Bah écoute, merci, ça fait plaisir. Et bonnes vacances à toi, ou bonne fin de vacances. Ah, attends. Voilà, on va supprimer ça. Riku! Riku, where are you? L'essence du temps. Stop! In the name of love. Du 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 du.
Nous avons semé le doute dans son esprit. Harry's like a lifeless puppet now. Precisely. And her heart was taken by the heartless, no doubt. Tell me, what can I do? There are seven maidens of the purest heart. We call them the princesses of heart. Gather them together, and a door will open to the heart of all worlds. Within lies untold wisdom. There you will surely find a way to recover Kyrie's heart. Now, I'll grant you a marvelous gift. The power to control the heartless. Et le gamin se pose pas de questions. Non. Soon, Kyrie. Soon. Le gamin vient d'obtenir le pouvoir de contrôler les méchants et il se dit pas « Ah mais attends, si elle me donne ce pouvoir-là, c'est peut-être parce qu'elle est méchante ?» Non. Non. Il réfléchit pas, voilà. Réfléchis pas. On a terminé Monstro ? Oui. Oh ! On va être recraché par Monstro d'ailleurs. Ça aurait été plus rigolo qu'il nous recrache par le haut. Comme le font toutes les baleines. Mais... c'est pas une baleine. C'est quoi alors ? T'as bien vu, elle a des dents, c'est pas une baleine. Bah c'est une baleine Disney. D'accord. Je me demande où sont passés Pinocchio et Gepetto. Ils ont été recrachés dans le bidon intersidéral. Pourvu qu'ils soient sains et saufs. Oh c'est bon, on s'en fiche, ton Riku, il a décidé de choisir le mauvais camp, c'est son problème. Ah, donc voilà Agrabah. Pourquoi on a Agrabah? Parce qu'il nous a projeté au plus proche. Donc il y a du nouveau. J'ai appris plein de sorts, je dois être aussi bon que toi maintenant. Et ah bah bien sûr, j'en ai ras le bol de ça aussi, quand on appuie dans le sens, ça apparaît plus vite. Tu devrais peut-être voir Merlin pour t'entraîner un peu. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand j'appuie, normalement, ça fait accélérer le texte. Mais comme le texte met deux plombes à apparaître, bah j'appuie, mais du coup, ça le passe. Ouais. Il paraît qu'il y a des tournois au Colisée de l'Olympe. Oh bah tiens ! Une nouvelle coupe. La coupe Pégase. Et il paraît que le vainqueur remporte un super prix. Une coupe. Par exemple. Salut Myop. Bah écoute, de toute façon on va pas faire un live très très long puisque Celt doit repartir à 16h par là. Donc du coup... Il faut que je finisse de boucler ma valise. De vérifier que j'oublie rien. Il y a plus de points, donc vaut mieux faire Atlantica avant de faire celui-ci, à première vue. Et de toute façon, on va faire le tour vite rapidement des autres lieux. Ville de Traverse, on n'a pas fait encore, ça sert à rien. Par contre, dès qu'on aille à la Pays des Merveilles, parce qu'on a maintenant qu'on a le super son, on peut atteindre des coffres. Mmh. Donc je vais m'en occuper dès maintenant. Il faudra peut-être aussi que je passe ensuite au chemin de Traverse, ou à la ville de Traverse, pardon, pour pouvoir récupérer ce que donneraient Compongo et Perdita, j'imagine. On va aller au jardin royal. Parce qu'il me semble qu'il y avait un coffre. Là-bas. Les dalmatiens. Non, il n'avait pas. Ah, tu l'avais déjà ouvert. Ouais, en face, il est déjà ouvert. Et il reste deux coffres dans la salle à café. Mmh. Un joyeux non-anniversaire, mon cher. Un joyeux anniversaire à moi. Un joyeux anniversaire. D'ailleurs, on avait pas fait toutes les plantes aussi. Mais entre nous, j'ai pas spécialement envie de les faire. Hein. C'est... à moins que t'aies une tonne de potions à... et des terres à sacrifier. Et on fait du level up en plus, hein, c'est pas bon la vie. Voilà, en même temps, je doute que ça rapporte énormément au niveau level up, mais... Non. Mais Dingo, te laisse pas taper dessus comme ça. C'est dans Harry Potter, oui. Effectivement, c'est dans Harry Potter, le chemin de traverse. Oui, dans Harry Potter. L'homme qui cherchait à monter sur les... Ok, de ce côté il veut pas s'accrocher, mais de ce côté-là peut-être que... Oui. Je crois qu'il faut arriver de l'autre côté. En face. T'as des trucs au-dessus, là.
Et sinon, t'en as aussi à côté de la porte, qui est en train de... autour, au-dessus de la porte. Il y a rien qui veut monter. Attends. Si, c'est ça, au-dessus là. Tu vois, il y a deux coffres. Bah ouais, mais ça serait bien s'il voulait accepter de grimper quelque part, lui. Mais il veut pas. Et elle essaie de nous péter les... Non, mais... Non, lui, il n'y arrivera pas. Je crois qu'il peut pas s'accrocher à la rambarde. Comme il pourra pas s'accrocher ici. Est-ce qu'il faudra planer ou décoller ou je sais pas quoi, mais... Monsieur ne veut pas, donc je suis venu ici pour quasiment rien à parler dalmatien. C'est peut-être faute là, vous, là. C'est faute à vous. Mais il pleure d'ailleurs, pourquoi il pleure? Peut-être un moyen de les rendre heureux. Joyeux non anniversaire. Est-ce qu'il n'y a pas une magie? Un cadeau à ceux qui s'assoient. Il y en a deux qui font apparaître des sans cœur. C'est pas grave. C'est des cadeaux. Ouais, mais on va se les faire, les sans cœur, ça rapportera des points. Bon, écoute, bonhomme. Se relève bien vite, dis donc. Prenez-moi ma table, s'il vous plaît. Oui. Ma table. Je peux pas me rendre ma table. Ça va pas être possible, mais si, je vais réussir à les revoir, t'inquiète pas. Ça va le faire. Didoun qui dit qu'il reste 3 Harry Potter à voir, je crois. Ah bah, tu devrais y arriver. Allez, chers camarades, ramassez-moi tout ça, s'il vous plaît. Ça fait pas longtemps que j'ai vu les deux derniers. Qu'elle n'avait jamais vu, il faut le préciser. Ouais, j'avais jamais vu. Allez, revoilà les autres sans cœur. J'étais pas prévu tout ça, en fait. C'est un éclat illien, comme dans Zelda. Bon, du coup, on a essayé cette chaise. On a celle-ci, je sais plus si on l'a essayé. Non, on l'a pas essayé. On n'a pas fini les trois qui sont là. Ouais, de la mana. Encore de la mana. Et ils sont contents, les mecs, derrière. Je savais qu'on pouvait les rendre heureux. Ah. Et voilà. Potion, mais on n'a toujours pas pu grimper là-haut. Non. Le mec, il s'acharnera. Jusqu'au bout. Il y a forcément moyen de monter. Il y en a un, ouais. Je sais plus comment, mais il y en a un. Fini les cadeaux. Oh, il pleure. Si encore j'avais pu m'accrocher à un rebord ou un machin, mais non, il y a rien du tout pour s'accrocher, quoi. Il faut déplacer l'horloge. L'horloge? Ouais. Quelle horloge? Il faut activer l'ours en peluche. Ouais, dans la salle magique. Ah, dans la salle magique. C'est dans la salle mystérieuse, tout ça, il y a des trucs à faire. Coucou Tirac. Si si, mais là on est au plafond. Là on est... Oui, c'est dans cette salle-là, mais pas celle-là. Celle-là, mais pas celle-là. Je te comprends pas là. Celle-là, mais pas celle-là. Parce que là, tu es au plafond. Il faut pas être au plafond. Oui, je sais. Il y a des gens qui se déplacent au-dessus. Salut Tirac. On finit le jeu aujourd'hui. Non, parce que... J'allais dire Aurore.
Mais celle, elle te doit partir tout à l'heure. Donc là, c'est peut-être l'avant-dernière ou la dernière vidéo du jour. Enfin, l'avant-dernière, je pense. Vidéo du jour. Je sais plus à quoi ça servait, ça. À partir. Coucou Mirage. Coucou, bah écoute, Mirage. Ça peut aller, toi. On va aller voir par là, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Alors, comment activer l'horloge? Il faut en fait arriver en haut, tu sais, sur l'étagère. Et après, il faut pousser la pluche qui est sur l'étagère, qui est en haut. Il faut tomber sur la bonne étagère. C'est ça. C'est laquelle, la bonne, du coup? Je sais déjà laquelle je vais essayer en premier. Ah ouais, mais non, c'est bon, au bout d'un moment, il aura le bol, là, les mecs, de vous croiser. On avance, nous. Alors ça va où? Pièce mystérieuse. On va essayer ici pour voir. Là je suis carrément sur le mur, ok, tout va bien. Ils sont partout. Heureusement qu'ils me font quasiment rien en dégâts. Ouais. Bon, dans un sens, ils me font rien en dégâts, mais je déguste quand même. Ah, on peut pas s'accrocher, mince. Je vois bien comment, moi, après. Ah, il y a un truc qui est apparu ici. Ok, je peux retomber par là. Et le nounours, il est où? Non, c'est de l'autre côté en fait. C'est pas là-bas. C'est la ville là. Désolé, j'ai touché l'écran. Oh bon, comment je peux arriver là-bas, moi? Je vois pas trop comment atteindre cette zone en fait. Il faut arriver. Attends, pièce mystérieuse. Ah, c'est je ça, crois ça passe que... par là. Ah voilà, c'est ça. Tout à fait. Shoryuken. Non. J'ai 7800 menis, c'est bien ça. En vrai, ça paraît une vitesse folle. Non. Le nounours, le bouquin qui est apparu. Justement, fallait faire ça. Fallait faire. J'ai tué le nounours. C'est vrai qu'elle est bizarre cette pièce. Hein. Et après, il faut que tu retournes dans la toute première pièce, tu sais, là où il y avait le bouton de porte. Bah, on y est. Ouais, mais dans la position normale, avec le sol qui est au sol. Mais c'est normal. Non, là, c'est le mur qui est au sol. Tu vois ce que je peux faire ici, apparemment. Ouais, tu peux récupérer un item. Il faut allumer la lampe. Ouais, non, mais. Déjà, on va calmer tout le monde dans les environs. C'est bon, vous avez fini là? Ça serait bien que t'allumes les deux lampes en fait. Oui, ce que je voulais faire. Du coup. Alors, d'accord, quand on allume des trucs, ça allume des peintures. Sachez-le. Et ça fait que des chats crachent des trucs. Ouais. Bonus défense, maintenant on va rentrer par là. Forêt des lotus. Normalement dans le bon sens là je crois. Ah non même pas. Non. Ah il fallait vraiment revenir en fait pour que la pièce tourne à ce niveau là. Ah non c'est pas ici en fait, je suis bête. Pardon messieurs, je m'en vais. Ah, nouveau tapis de souris. Mais il y a un coffre que j'ai raté là aussi. Il était caché derrière les pins. Bloc, météor, ça y est, je les ai tous fait du coup là. Ouais. Pas tous, je sais plus, non? Dans cette zone, oui, il me semble. Quand même. Dans cette zone, oui. Joli tapis. Bon courage pour le CV. Bon courage. Normalement, c'est à ta soeur de le faire, hein. C'est pas à toi de faire le CV de ta soeur. Ah, ça c'est clair, je suis d'accord.
Elle, si elle sait pas faire, au pire tu l'aides, mais Il semblait qu'il fallait que je fasse... Oui, il faut que tu tapes dans le bouquin, je crois. Il y a un truc à faire avec le... Tape. Ah, mais il faut éliminer les ennemis, par contre. Ouais, bah c'est pour ça que je suis en train de m'occuper. Tu fais tellement mal. Tant mieux. Les ennemis, ils ont tellement pas monté de niveau. Ce sont des grosses feignasses. Tant mieux. En même temps, ils ont pas le choix, ils sont obligés d'attendre que quelqu'un se ramène pour pouvoir apparaître. Ça. Donc du coup... Et comme t'étais pas revenu. Voilà. Et en plus, quand tu viens, ils meurent. Alors forcément, ils peuvent prendre des missions. Oh là là, ils sont grands. Là. Ouh, tellement pas mal. Des gros paquets. Des gros paquets. On les a tous eus ? Punaise. Ou un truc comme ça ou... Attends. T'es dit, c'est ta faute ça? Peut-être qu'il faut que je sois grand pour l'ouvrir. Ah peut-être. On va essayer de grandir du coup. Ah, je peux toucher une nounours. Ah mince! Voilà. Non, est-ce que je peux utiliser le livre? Attends. Non, mais. Il y a quelque chose. Un bout de vitrine! Voilà. Et là, faut que je fasse voler le nounours. Faut sortir l'horloge. Oh. Et voilà. Et le voilà, on est sauvé. On rétrécit en montant bien sur la table. C'est déjà pas assez grand. Voilà les amis qu'on découvre. Oh puis zut. Ils sont embêtants, ils volent, on s'en va. On va au jardin privé. Hé, regarde où t'as atterri. Matière noire. Ouh, c'est intéressant ça. Par contre, c'est bien gentil, mais... Je peux pas aller plus loin. Oh, il aurait fallu un truc pour que je plane, quoi. Ouais. Je crois que c'est ce qu'il faut faire, effectivement. Ah non mais quel schtroumpf. Je suis revenu là, au revoir les gars. Ah il faut que je les tue en plus pour passer. Quelque part je peux me dire c'est bon ça fait de l'XP mais en fait ça rapporte quasiment rien de les combattre du coup. Non ça rapporte pas grand chose. C'est vrai. Ah, tu peux aller dans la forêt des lotus. T'as un truc qui te permet d'accéder à un nouveau truc et on devrait pouvoir avoir accès à deux coffres. D'accord. Donc on retourne au jardin royal. Et forêt des lotus. Histoire de récupérer tout ce qui nous appartient pour tout le monde. Mmh. Sauvegarder au passage, d'ailleurs on a combien à 38 minutes, on a le temps d'aller chercher dans la forêt de lotus. Oui, je pense. On va pouvoir finir au moins sur deux coffres. Et sur ta gauche. On l'avait déjà ouvert ça. Mais il faut monter en fait au-dessus. Attends. Surtout que je suis en train de me dire que... Ah non, il faut aller de l'autre côté alors. Ah oui, t'as des éclairs je crois. Réussi ce foudre. Il me semble. Un matin de mai fleuri, nos pensées sont quelquefois très profondes. Non, pas par là. Pas par là. Autour. Il est. Il faudrait, en fait, il y a. Là où t'es passé, au-dessus, il y a une plateforme et il faudrait y accéder. Mais ça va être chou là, regarde. Bah non, avec le super saut, c'est possible de sauter en face et d'y aller. Ah bon?
putain. Mais peut-être plutôt d'au-dessus. Vous allez vous calmer la très chère parce que... Voilà. Voilà, m'embêtez plus. Encore ? Mais toujours. Ça continue encore et encore, c'est que le début, d'accord, d'accord. J'essaie de monter pour monter, c'est sur le côté. Sur, non, non. Donc là, je peux monter partout. Ah, effectivement. Tu vois, le problème, c'est ça, quoi. C'est que là, c'est du vide ici. Ouais. Il disait qu'avec le super saut c'était possible, mais je sais pas comment ils ont fait. Ou alors faut bouger l'arbre, peut-être. Je monte pas assez haut là, quoi qu'il arrive. Non. Non. Il m'agace, là. Ça empêche de réfléchir comme on a envie. Donc voilà, faudrait trouver un moyen pour se débarrasser de la haie qui est ici, mais ou décaler peut-être les essuie-glaces qui sont en dessous là. J'avais pas trouvé le bon mot donc. Pourquoi j'ai enlevé ma cam? Parce qu'il y avait une cinématique et que j'ai oublié de la remettre. Coucou Kazem. Comment que ça va? Par contre, j'ai raté un autre endroit avec le saut. PC Max. On va se prendre une nouvelle compétence. On va quand même de monter de niveau en écrasant des petites bestioles. Hein. Ouais. Et ça mérite des applaudissements. Voilà, c'était à ça que je pensais. Ça y est. Ah, je peux pas descendre en dessous ici. Tu vois, on peut pas s'accrocher à ça. Et il me semblait avoir vu un coffre aussi de ce côté-là derrière. Mais je dois halluciner. Il y a un truc, mais il faut arriver par le sol, alors... Qu'est-ce qu'elle me voulait, elle? Elle donne-moi un éther. Ça valait rien. On va donner un déter pour rien. Si encore on avait pu s'accrocher par là, à la mer. Je me demande si en faisant pas tourner l'arbre, ça fait... Je sais plus. Non, parce que l'arbre, ça fait juste tourner ça, regarde. Ah oui, ça s'éloigne en fait. Ça qui vient se placer de l'autre côté. C'est un objet que ça t'a pris. Ah ouais. Donc là, j'avoue que je ne sais pas trop. Peut-être qu'il faudra attendre d'avoir un truc genre le fait de planer. Au pire, sinon, ouais, avec le vol plané, on pourra y aller. Hein. Bon, bah, on viendra quand on aura le vol plané. On va sauvegarder et arrêter la rediffusion ici, parce qu'on a dépassé les 40 minutes. Ok. Hop là. Hop là, sauvegarde. Hop là, c'est parti. Donc on va s'arrêter ici pour cette rediffusion. J'espère que celle-ci vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. En notre compagnie, d'ailleurs. Oui. Je change le speech. Changer les habitudes. On va se retrouver très très vite pour la suite des événements puisque le live continue. En attendant, un grand merci à vous tous pour votre présence et votre participation, pour vos abonnements aussi. Merci à Celt de m'avoir accompagné pour cette rediff. Merci pour le jeu, merci pour la console. Et du coup, on se retrouve très très vite. Donc n'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappestjeux.fr. Passez une agréable fin de journée, prenez soin de vous et à ciao tout le monde. Salut.